Rien n'est si vivant qu'un musée. C'est le feuillage extrême et toujours verdoyant du passé quand toutes les branches mortes sont tombées. C'est le monde et les siècles sous un seul toit. Et ce rendez-vous nous plaît comme un bref et charmant voyage. Un tableau vénitien, c'est un peu de la gloire de Venise éparpillée aux quatre coins du monde. De sa gloire, Venise n'est pas avare, elle qui a 10 siècles de civilisation à faire partager. Dans l'album aux images du Musée national du Canada, à Ottawa, laissons la page ouverte au chapitre qui raconte Venise et rêvons. Venise est symphonie, gerbe ancienne et toujours fraîche, légende multiple et vivante. Il y a la Venise orgueilleuse de la grandeur politique, il y a, au carrefour des civilisations, la Venise commerçante, la reine des mers. Il y a la cité de marbre et d'or, des grandes façades et des palais sur l'eau, et aussi la Venise pittoresque des ponts, des canaux et des gondoles. Fille de la Venise humaniste et voluptueuse de la Renaissance, celle des maîtres, il y a la Venise des passions ardentes et des amours tragiques qu'ont célébré les poètes. Au-delà de ses splendeurs, enfin, il est une Venise calme, harmonieuse et sereine comme la mer qui l'enlace. Si le XVIe siècle vénitien brille d'un éclat non pareil dans le firmament de l'art universel avec Giorgione, Titien et Tintoret, le XVIIIe est celui de la Venise charmante et familière que nous aimons à travers ses peintres et que nous retrouvons lorsque nous allons en pèlerinage aux sources de la lumière. Venise a-t-elle une âme? Bien sûr. Et au-delà du détail qui nous frappe, c'est cette âme qui nous pénètre doucement et qui s'épanouira dans notre souvenir pour donner ses plus riches couleurs. Dans l'instant, nous ne savons guère aimer. Bousculés par les horaires et les directives, nous ne savons où donner du regard. Plus tard, cette hâtive cueillette d'impressions fugaces fera lever dans notre mémoire une vision exemplaire d'harmonie et de beauté. Il y a 1000 ans que le lion ailé de Saint-Marc veille sur Venise et la protège contre elle-même et sa passion du magnifique. Il y a 1000 ans que la basilique Saint-Marc reflète les feux croisés des arts romains, grecs et byzantins et témoigne de l'universalité du génie de la cité sérénissime. Capter, fixer, retenir, arrêter le cours du temps par la photographie ou la peinture, la tentation est grande. Déjà Canaletto,
Francesco Guardi fixèrent autrefois une certaine image de Venise. Mais dans cette image, c'est l'heure art autant que la place Saint-Marc que nous aimons. L'un et l'autre sont Venise. Venise est autre chose qu'une relique du passé miraculeusement conservée, une image immobile parmi les siècles. Dans l'esprit qui s'émerveille, comme sur la toile de l'artiste, elle se recrée sans cesse, car il n'est point d'art sans la contemplation active de l'homme. Que nous la contemplions de loin à travers ses tableaux, ou que nous l'admirions anonyme parmi la foule, nous aussi nous faisons partie de Venise. Et en même temps qu'elle nous élève, c'est nous qui lui donnons la vie. Venise cristallise en grand à l'échelle d'une cité ce qu'un tableau cristallise en petit, une victoire sur le temps, un moment arraché à la durée. Mais ce moment lui-même se métamorphose et chaque siècle le pare de la couleur de son regard propre. Aussi n'est-il point d'expression trop moderne de l'art pour Venise. Venise est ouverte à tout ce qui a chance d'être comme elle, un moment soustrait au temps. Fidèle à son destin, Venise accueille à l'occasion de sa biennale artistique les productions de quelques 30 pays. 30 expressions de 30 cultures proposées à l'attention des connaisseurs et des amateurs du monde entier. Aux côtés des grandes nations civilisatrices, le Canada ne craint pas de venir momentanément enrichir la mosaïque vénitienne de quelques pièces qu'il croit durables. James Morris, qui fut l'ami des impressionnistes français, fait au Canada figure de maître presque classique. Dans la ville du Titien, où s'écrit l'histoire de l'art, c'est un nouveau venu qui commence à peine à jouer sa partie contre le temps. Séjournant à Venise, autrefois, ce Canadien l'aima, elle et sa lumière. Et après tant d'autres, il la peignit telle qu'il la vit, telle qu'il la sentit. Dès lors et pour toujours, sur ces toiles canadiennes, Venise frémit, délicate et pénétrante comme une brume sur l'Adriatique. Le miracle de Venise, c'est qu'il ne s'y fait point de différence entre les œuvres d'art et de magnificence et les choses familières et quotidiennes de la vie. Tout participe au même bonheur d'exister. Le simple et l'utile y ont leur mystère, tout comme le grand art se dépouille de sa hauteur et se revêt d'humanité. Il n'est point d'œuvre humaine que le temps n'humilie, et la vie des choses n'est qu'une survie permanente.
Venise voue à l'oubli l'œuvre d'art imparfaite. Pour un chef-d'œuvre ravi à la ruine du temps, 1000 œuvres à demi réussies destinées à périr. Et depuis toujours, l'artiste sait cela et néanmoins travaille comme s'il était l'élu. Pour élever l'éphémère au plan de l'éternel, l'art transfigure le réel. Il s'empare d'un visage qui n'est point beau et, suivant des lois qui ne sont pas celles de la nature, lui confère une qualité qui répond à l'une des aspirations de l'homme. Ce que nous appelons art n'est d'abord que matière heureusement utilisée et disposée. L'âme que nous croyons deviner dans le travail de l'artiste, c'est nous qui l'y mettons. Avec ses idées, son cœur, sa culture, chacun lui donne la sienne. Et c'est ainsi que, variant à l'infini, l'œuvre d'art traverse sans dommage les siècles, portée par l'esprit de l'homme mieux que par le mur froid de la réalité. Venue jusqu'à nous du fond des âges, grâce à la main de l'artiste, la légende vénitienne de Saint-Marc nous survivra encore. Aussi bien aimer ou ne pas aimer une œuvre d'art, n'est-ce pas tant lui faire un sort que se situer par rapport à elle? Il n'est pour se grandir que d'aimer les grandes œuvres. L'art est un point de repère, quelque chose de dur, de permanent, que le vent du matin n'emporte pas. L'oiseau s'envole, les générations recommencent, mais Saint-Marc demeure. Il est peu de villes qui aient osé confondre leur destin avec celui de la beauté. Mais celle-là garde pour elle le rare privilège de sembler grandir hors du temps.